أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أفعالنا وأعمالنا وأقوالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن إذا كان كيف يكون. نشهد ذلك شهادة نطق باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ورائدنا وزعيمنا وأستاذنا ومعلمنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من الله، فتركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اقتفى أثره ودعا بدعوته وسلك سبيله إلى يوم الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، معاشر المؤمنين الكرام، je vous ai dit la semaine dernière que l'un des plus grands dépôts que nous a confié Allah subhanahu wa ta'ala, l'une des plus grandes responsabilités que nous a confié Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle de l'éducation des enfants bi'idhnillah tabaraka wa ta'ala. Et c'est une mission, bien sûr on est convenu à dire que c'est une mission délicate. C'est une mission de longue haleine. C'est une mission qui est très, très, très difficile. Et ce, pour plusieurs raisons. Un, c'est parce que l'être humain, d'une façon générale, et surtout l'enfant, n'est pas une machine à commande numérique. Tu lui donnes l'instruction et il va s'exécuter. Tu lui dis ça, il ne faut pas le faire, il ne va pas le faire. Ça, tu dois le faire, il va le faire. L'être humain, d'une façon générale, même pour nous, adultes, ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Donc, c'est très, très complexe. L'enfant, l'être humain n'est pas une machine à commande numérique. C'est pour cela que cette mission-là, c'est une mission très difficile et très délicate, binata baraka wa ta'ala, et il faut qu'on soit toujours à cheval, incha'Allahu azza wa jalla. Et la deuxième des choses, c'est parce qu'elle doit commencer avant la naissance de l'enfant et elle doit continuer jusqu'à sa mort. Ce n'est pas une affaire qui est périodique. Ce n'est pas une affaire qui dépend des étapes de la vie de l'enfant ou de l'être humain. Non, ça c'est un mensonge. L'éducation, quand on parle d'éducation, c'est un travail continu. Il n'y a pas de discontinuation dans ça. Il faut toujours être là, il faut toujours être présent. Et cette éducation, elle n'est pas purement matérielle. On ne peut pas se dire, c'est pas grave. Mais moi, mes enfants, je leur ai assuré leur avenir après ma mort. Je les ai construit une villa avec piscine. Ils ont les voitures, ils ont ci, ils ont cela, ils sont bien habillés, ils ont les derniers smartphones, ci, cela. Non, ça c'est le côté matériel. Et ce n'est pas ça l'essentiel dans l'éducation des enfants. Il y a d'autres facteurs, il y a d'autres dimensions dans l'éducation des enfants, sur lesquelles j'aimerais bien insister, sur lesquelles on va débattre, sur lesquelles je vais vous entretenir à partir d'aujourd'hui. Mais avant cela, premier principe, première dimension, quand on parle d'éducation des enfants, c'est la foi, c'est l'aqida, c'est le dogme. C'est quoi tarbiyya imaniyya? Et pourquoi on doit commencer par la foi, par l'aqida, par le dogme? Sachez tout simplement que le Nabi alayhi salatu wasalam, quand Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé pendant 13 ans, ce qu'on appelle la période négoise, il n'y avait qu'une seule mission, il n'y avait qu'un seul travail. C'est quoi? C'est inculquer aux croyants, aux musulmans, les principes de la foi,
que tu dogmes d'Ibn Tabarak wa ta'ala. C'est un travail sur la foi qu'a fait le Nabi alayhi salatu salam. Est-ce qu'il y avait la prière pendant la période mikwaise? Il n'y avait pas. Est-ce qu'il y avait le jeûne, le ramadan, pendant la période mikwaise? Non. Est-ce qu'il y avait le hijab? Est-ce qu'il y avait la zakat? Est-ce qu'il y avait l'héritage? Est-ce qu'il y a ci ou cela? Il n'y avait pas pendant la période mikwaise. Dans la période mikwaise, le Nabi avait une seule mission. C'est inculquer aux gens les principes de la foi. D'ailleurs, les compagnons disaient « Kana Rasulullah yufirighuna thumma yamla'una » Il nous vidait et il nous remplissait après. Il nous vidait de quoi? De tout ce qu'ils avaient avant, il leur remplissait le cœur avec les nouveaux principes de la foi. Mais pourquoi tant d'efforts déployés par le Nabi alayhi salatu wasalam? Mais pourquoi telle démarche? Certains diront que, oui, parce que la société était dans l'association, était dans la mécréance. C'est vrai, ils étaient des mécréants. C'est vrai, ils étaient des associés. C'est vrai qu'ils ne connaissaient pas Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. C'est vrai que leur vision sur les anges, sur le jour du jugement, sur le destin, et ainsi de suite, ce n'était pas au beau fixe. Mais ce n'est pas ça la raison. Nabi alayhi sallam a opté pour cette option, a commencé par inculquer la foi aux musulmans et aux cheminants. Pourquoi? Parce que la voie la plus sûre pour qu'on soit sur le chemin de subhanahu wa ta'ala, c'est celui d'inculquer la foi bi-Allah azza wa jalla. Aujourd'hui, parce qu'on fait, on tourne à gauche, on tourne à droite, on n'a pas suivi cette foi, regardez ce qu'on dit. Nabi alayhi sallam a commencé par cela, quand les injonctions de Allah subhanahu wa ta'ala sont arrivées, on a vu des choses exceptionnelles, extraordinaires. Quand Allah a dit que l'alcool était péché, est-ce que les gens ont tergiversé pour accepter? Pas du tout. Quand Allah a dit riba, l'usure était interdite, est-ce que les musulmans ont tergiversé? Quand Allah a dit aux femmes que vous devez porter un hijab, est-ce que les femmes ont tergiversé? Quand Allah a dit qu'il y a le jeûne, qu'il y a la zakat, qu'il y a le combat dans le sens de la subhanahu wa ta'ala, qu'il faut te mettre au profit de la subhanahu wa ta'ala, est-ce que les gens ont tergiversé? Non, parce que il y avait un travail en amont. Et le vrai travail en amont, c'est celui de l'éducation. Parce que ces principes de la foi ont envoyé les cœurs et les esprits des compagnons du prophète, alayhi salatu wa sallam. Donc quand on parle de at-tarbiyah imaniyah, de la foi, on parle de quoi? On parle en fait de deux choses. La shahada, l'attestation de la foi, et on parle des six principes de la foi. Et d'ailleurs, il y a une relation étroite entre la shahada et entre les six principes de la foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. J'atteste qu'il y a de divinité que Allah, et Muhammad alayhi salatu wa salam, et son messager. Et les six principes de la foi, croire en Allah subhanahu wa ta'ala, à ses anges, à ses livres, à ses messagers, au jour du jugement et au destin, dans la difficulté et dans le bonheur, bien sûr. À la prédestinée, en bien ou en mal, bi-Allah tabaraka wa ta'ala. C'est quoi cette relation? La ilaha illallah. Ça, c'est un iman billah. C'est croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammadun Rasulullah. C'est croire au messager, au prophète, à sa salam. Et derrière, vous savez, il y a quoi? Il y a moult messagers et prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, quand je crois au prophète, alayhi salam, je suis dans l'obligation de croire à tout les messagers et tous les prophètes de le prophète de subhanahu wa ta'ala. Donc rien que dans la shahada, j'ai deux principes de la foi. Croire en Allah subhanahu wa ta'ala, à ses prophètes et à ses messagers. Quand Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à un messager, il ne s'adresse pas directement. Une fois, il s'est adressé à Moussa sallam directement. Une fois, il s'est adressé à Moussa sallam directement. La nuit de l'ascension céleste. Quand il voya en joie de faire la prière, c'est la seule fois. Mais sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'adresse à un prophète, à un messager, il y a toujours un émissaire, il y a toujours un intermédiaire qui est Jibril alayhi salam. Et derrière Jibril alayhi salam, il y a quoi? Il y a les anges bi-Allah azza wa jalla. Donc je crois en Allah, je crois en ses messagers, je dois croire en l'intermédiaire entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses messagers. Jibril alayhi salam, quand il vient voir un prophète ou un messager, c'est pour parler du corona, c'est pour parler de la vie, de la cherté de la vie, des problèmes de la vie. Non,
il lui envoie, il lui ramène les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans cette sharia, il y a au moins deux thématiques. Le jour du jugement, et bien sûr le destin, hein, la prédestinée au bien ou au mal, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Donc, quand je parle de la foi, soit je parle de la shahada, la double attestation de la foi, soit je parle des six principes de la foi. Problème qu'il y a aujourd'hui, quand on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on parle des anges, quand on parle des livres, quand on parle des messagers, des prophètes, quand on parle du jour du jugement, quand on parle de la prédestinée, surtout de la prédestinée, il y a une ignorance complexe chez les musulmans. Tu demandes aujourd'hui à un musulman de te faire un résumé sur Al-Qada ou Al-Qadr, la prédestinée, le destin, Al-Maktoub, si vous voulez, mais ça part à gauche, ça part à droite, ça fuse dans tous les sens, mais jamais dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on connaît du destin? Rien, mais absolument rien du tout. Mais qu'est-ce qu'on connaît d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'on connaît des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment peut-on profiter des noms, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Encore, c'est le vide cosmique, c'est pas le vide désertique, mais c'est le vide cosmique, ou l'iyadu billah, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on connaît des anges? Qu'est-ce qu'on connaît des prophètes, des messagers? On ne connaît même pas la biographie du prophète, alayhi salam. Allez, on ne va pas parler des 314 messagers, on ne va pas parler des 124 prophètes, subhanahu wa ta'ala, on parle de notre prophète. Le dernier des prophètes, qu'est-ce qu'on connaît de Nabi alayhi salam? Qu'est-ce qui peut maintenant m'énumérer les épouses de Nabi alayhi salam? Les enfants de Nabi alayhi salam? Les filles de Nabi alayhi salam? Les petits-enfants de Nabi alayhi salam? Les batailles de Nabi alayhi salatu wasalam, les conquêtes de Nabi alayhi salam. On ne connaît pas. Mais le problème, ce n'est pas qu'on ne connaît pas. Le problème, c'est qu'on ne réagit pas après. Normalement, on a entendu parler de cela après du mois, dans la semaine. Comme je vous ai dit à maintes reprises, je dois avoir un budget temps pour apprendre ma religion. J'ai aujourd'hui énormément de moyens pour l'apprendre. À travers les livres, à travers ci, à travers cela, à travers même les vendredis d'aujourd'hui sont enregistrés. Donc ce que je ne peux pas comprendre maintenant, je peux le comprendre dans une semaine. Parce que Mohamed va poster la vidéo sur YouTube, et donc on peut avoir, et donc je peux revoir ce qu'a dit Chir, et ainsi de suite. Je peux revoir ce qu'on nous a dit, qui m'a échappé pour l'apprendre, et je ne sais pas le retard. Bon bref, quand moi-même, j'ignore tout cela, mais qu'est-ce que je peux inculquer à mes enfants? Mais qu'est-ce que je peux donner à mes enfants? Vous savez, il y a un proverbe arabe qui dit « Faqidu shay ila yu'tih ». Quelque chose qui n'a que, quand j'ai pas quelque chose, je ne peux pas l'offrir. Je ne peux pas le donner. Je n'ai pas de masque. Je me demande un masque. Qu'est-ce que je dois faire? Malheureusement, je ne l'ai pas. Je ne peux pas te l'offrir. Si moi, je suis ignorant de tout ça, comment je peux inculquer cela à mes enfants? Il y a une autre manière. C'est qu'il y a derrière moi des institutions qui doivent prendre le relais. Et ces institutions-là, c'est quoi? Ce sont les mosquées. Normalement, je dois les faire où? À la mosquée. Malheureusement, encore une fois, aucune pression de la part des fidèles pour dire on doit avoir une école. On doit avoir une école. Et donc, je ne pense pas que les responsables, je ne pense pas que les imams vont aussi penser à établir des cours pour apprendre aux gens la religion de l'enfant. L'essentiel. Donc, premier principe dans l'éducation des enfants, c'est quoi? Pas uniquement dans les enfants, mais de tout cheminant vers Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la foi. Commencer par la foi, c'est parce que c'est le seul moyen, le moyen le plus sûr pour qu'on soit sur le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cette éducation de la foi, elle trouve écho dans Al-Qur'an al-Karim, dans la sunna de Nabi alayhi salatu wa salam, et même dans l'histoire de ceux qui sont venus après Nabi alayhi salatu wa salam, commençant par le Coran al-Karim et par un seul exemple. Avant cette crise, on avait Dars al-Jumu'a, et dans Dars al-Jumu'a, je faisais la biographie, hein, les histoires racontées par le Coran al-Karim, en dehors de la biographie des histoires des prophètes et des messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et on a parlé à un moment donné de quelqu'un qui s'appelle Luqman. Luqman, le sage. D'ailleurs, il y a toute une sourate dans le Coran al-Karim qui porte le nom de Luqman. Non seulement Allah subhanahu wa ta'ala lui attribue la sagesse, mais aussi on dit de lui que c'est un prophète d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quoi qu'il en soit,
Allah Azza wa Jalla nous a raconté l'histoire de Luqman. Et surtout, les recommandations de Luqman alayhi salam à son fils. Le Coran al-Karim, quand il parle de Luqman, de cette discussion qu'il y avait entre Luqman et son fils, dit « Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu » Et quand Luqman disait à son fils, alors qu'il était petit, Luqman n'a pas attendu que son fils ait 20 ans, ou 25 ans, ou dépasse, je ne sais pas quoi, l'adolescence, ou je ne sais pas quoi, pour lui inculquer ces valeurs-là. Alors que son fils était déjà petit. Pour nous, il est en âge de ne pas comprendre ces choses-là. L'enfant, il peut comprendre comment ça fonctionne une tablette, il peut comprendre comment ça fonctionne une play, comment ça fonctionne tous les trucs électroniques d'aujourd'hui. Ils connaissent Snap mieux que nous, ils connaissent les réseaux sociaux mieux que nous, mais pour lui parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui parler de la foi, pour lui parler de l'islam, non, il n'est pas encore prêt. Quand est-ce qu'il sera prêt? Comme ça, il ne sera jamais prêt. Nos enfants ne seront jamais prêts, subhanallah. Luqman n'a pas attendu un certain âge pour parler à son fils. Et de quoi? Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun adhim. Oh mon fils, ne prends pas d'associer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que l'association est une injustice manifeste, est une injustice énorme auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il commence par quoi? Par l'affaire centrale dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'affaire centrale dans la religion, ce n'est pas la pratique. On ne doit pas commencer par la pratique. La pratique, ça doit venir après Bina tabaraka wa ta'ala. L'affaire centrale dans l'islam, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la tenue vestimentaire, ce n'est pas je ne sais pas quoi. L'affaire centrale de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la foi. Al-Iman, la tushrik billah, il ne faut pas qu'il y ait, il ne faut pas que tu aies d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'association du Luqman al-Hakim à son fils, la mécréance du Luqman à son fils, c'est une injustice énorme auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est vrai, c'est Allah qui crée, c'est Allah qui nous donne les richesses, c'est Allah qui nous protège, tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et moi, et toi, et nous, on va prendre des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala. On va prendre des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça ne doit pas exister, subhanallah. Aujourd'hui, quand on est venu ici, est-ce que c'est notre force qui nous a permis de le faire? Est-ce que c'est parce qu'on a du temps? Est-ce que c'est parce que je suis en forme? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas malade? Non, absolument pas. C'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala que je suis là. Si ma santé fonctionne, si ma voiture fonctionne, si tout fonctionne, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah, il fait tout. Il me protège, il protège mes enfants, il me donne dont je suis besoin, et peut-être plus et mieux. Et moi, quand je vais adorer autre chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Est-ce que ce n'est pas une injustice? Mais bien sûr, c'est une injustice. Et Luqman commençait par ça. Aujourd'hui, non, on ne doit pas parler de l'enfant à l'enfant de ça. On ne doit pas parler à l'enfant de ceci. Non, on doit commencer par ça. Parce que c'est ça l'essentiel de Bina Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, qu'est-ce qu'il lui dit? Ya Bunay, inna hadhi takun mithqala habatin min khardal. Fût-ce un grain de moutarde dans un rocher, dans les cieux, dans la terre, Allah subhanahu wa ta'ala le fera venir. Il parle de quoi? Il parle de ce qu'on appelle Al-Hisab, le jour du jugement. Sache que tout ce qu'on doit faire, on doit rendre compte de ça auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Malheureusement, encore une fois, les musulmans, le jour du jugement, quand ils parlent du jour du jugement, quand ils parlent de la balance, le jour du jugement, quand ils parlent de la voie de Sirat, qu'on doit emprunter pour passer l'enfer, pour aller au paradis, Inch'Allah, on sera tous au paradis avec le prophète sallam, on dirait que c'est quelque chose de facultatif. On dirait que c'est une formalité auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a des gens qui considèrent à tort que c'est parce qu'on appartient à la Umma de Nabi alayhi salatu wa sallam, tout ça ne fonctionnera pas. Et que Nabi sallam viendra le jour du jugement pour dire à Allah subhanahu wa ta'ala, écoute, il y a Allah, ce sont des gens de ma communauté, donc directement au paradis. Non, absolument pas. Absolument pas. Luqman est en train de dire à son fils, est en train de nous apprendre, et que c'est quelque chose qui est confirmé dans le Coran al-Karim, qu'on rendra compte de tout à Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. C'est Allah qui dit,
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا. Même un atome gramme de bien, un atome gramme de mal, ce qui est plus petit que l'atome gramme. Si. Si. Il y a plus petit que l'atome gramme du bien et du mal. C'est le hadith du Prophète dans lequel il dit Inna Allah kataba al-hasanati wa sayyi'ati fi kitabi thumma bayyana dhalik. Allah a écrit les bonnes actions, les mauvaises actions dans un livre, ensuite il a explicité de cela. Faman hamma bi hasanati. Celui qui a l'intention de faire du bien, celui qui a l'intention de faire du mal, il rendra compte de cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est plus grand, plus petit que la tombe grave? Et nous, on viendra le jour du jugement pour dire, nous, on est là au mois du prophète, donc nous, on ira au paradis directement. Ah, les autres, ce sont des égarés. Ah, les autres, ce sont des koufars. Ah, les autres, ce sera l'enfer, eux. Non, directement, c'est l'enfer. Subhanallah. 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 Même nous aussi, on passera par cela et on doit prendre en considération cela et surtout inculquer cela à nos enfants, même s'ils sont petits. Bi'nillahi tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, quand on parle de Al-Hisab, rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a quoi derrière? Mais bien sûr, il y a soit la récompense, soit la sanction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais bien, donc je serai récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais mal, je serai sanctionné par Allah tabaraka wa ta'ala. Et tout ça, Sidna Luqman est en train d'apprendre à qui? À son fils. Alors qu'il était en bas âge, bi'idhnillahi azza wa jal, pour vous dire tout simplement que c'est quelque chose qu'on doit toujours penser à le faire, inshallah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wa sallam nous donne une indication de cela. Quand il me dit, quand tu as un enfant, quand tu as un nouveau-né, normalement la première chose qu'il doit entendre, c'est les mots de l'aqida, de l'iman, de l'tawhid. Pour ceux, bien sûr, qui savent faire l'adhan, pour ceux qui savent faire l'iqama, il doit faire l'adhan et l'iqama. L'appel à la prière et le petit appel à la prière. Mais ceux qui ne savent pas et qui ne connaissent pas, et qu'ils doivent attendre le professionnel de la chose. Monsieur l'imam, on va faire appeler un imam pour qu'il vienne à la maternité, pour qu'on lui donne l'enfant, pour lui faire l'adhan. Non, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ce folklore. Je peux, si même si je ne connais rien du tout, je sais dire, la ilaha illallah, je prends mon enfant, je prends mon fils, je prends ma fille, je lui dis dans son oreille, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ça suffit. Maintenant, je sais faire l'adhan, je dois faire l'adhan. Je sais faire l'iqama, je dois lui faire l'iqama, inshallah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, de savoir et de méditer sur les paroles de l'adhan et de l'iqama. Inch'Allah, tout un vendredi concernant les paroles de l'adhan et de l'iqama, et quel sens on doit donner à cela, et quel impact ça doit avoir sur moi dans ma relation avec Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi alayhi salatu wa sallam, dans un hadith que vous devez connaître tous, inch'Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui était un petit, il avait 6 ans, il avait 7 ans, il avait 8 ans, il disait, j'étais derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a pris pour me dire, ya ghulam, inni u'allimu ka kalimat, oh petit, je vais t'apprendre un certain nombre de mots. En fait, ce n'est pas des mots, ce sont des concepts exceptionnels, extraordinaires, que chaque musulman doit méditer bien tabaraka wa ta'ala. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ahfad Allah yahfadhuk. Et Allah dans ton esprit, Allah subhanahu wa ta'ala te protégera. Sois toujours avec Allah tabaraka wa ta'ala. N'oublie jamais Allah tabaraka wa ta'ala. Pense toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Ahfad Allah yahfadhuk. Si tu es toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala, on se parle avec toi. D'ailleurs, la récompense, elle est de la nature de l'action. Tadkuruni Adkurkum. Si vous voulez que Allah subhanahu wa ta'ala parle de nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit parler de Allah subhanahu wa ta'ala. In tansurullaha yansurkum. Si on veut que Allah subhanahu wa ta'ala nous porte secours, on doit porter secours à Allah subhanahu wa ta'ala. On va défendre la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. On va défendre ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Si on va les défendre, Allah subhanahu wa ta'ala nous défendra. On sera avec lui. D'ailleurs, vous connaissez tous le hadith Qudsi dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Man adali waliyan faqad adamtahu bil harb. Et quiconque qui fera du mal à un des saints, à quelqu'un qui est bon,
ونسوتك الله تبارك الأمور ونسوتك الله سبحانه وتعالى je vais leur déclarer la guerre qui est sur nos âmes. Soit avec Allah Azza wa Jal, on verra. Allah Azza wa Jal sera avec nous. Bidillahi tabaraka wa ta'ala. Ahfadillaha yahfadk. Ahfadillaha tajidu tujak. Allah Subhanahu wa ta'ala sera toujours devant toi. Allah Subhanahu wa ta'ala sera toujours avec toi. Allah Subhanahu wa ta'ala sera toujours à côté de toi. Allah Subhanahu wa ta'ala te protégera toujours. Tu vas jouir tout le temps de la protection et de la présence d'Allah Subhanahu wa ta'ala avec toi. فَإِذَا سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهِ Quand on a un problème, quand on a quoi que ce soit, à qui on doit s'adresser? Mais en bon musulman, en bon croyant, en bon cheminant, on doit s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on a un problème, je vais voir mon père, je vais voir mon ami, je vais voir un tel, ah, c'est mon confident, je vais voir cela. Non, quand on a quelque chose, on doit se diriger directement vers الله تبارك وتعالى فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله et quand tu veux le secours et que tu veux, quand tu veux implorer l'aide implore l'aide d'Allah تبارك وتعالى mais je ne suis d'aucune utilité pour toi mais je ne peux rien t'apporter mais je ne peux rien te faire par contre Allah سبحانه وتعالى pourra te faire énormément de choses même les choses dont tu ne penses pas Parce que c'est Allah qui est le Tout-Puissant, qui est le Tout-Miséricordieux, le Tout-Miséricordieux, le Tout-Miséricordieux. Donc on doit toujours revenir à ce point-là. Ce sont des choses que Al-Nabi a.s.w. a inculquées à qui? Encore une fois, à Abdullah ibn Abbas, qui était en âge de 6, 7, voire 8 ans. Aujourd'hui, 6 ans, on ne va pas parler avec lui. Et 7 ans, on ne va pas parler avec lui. Et 8 ans, on ne va pas parler avec lui. Et 20 ans, non. Et 40 ans, non. Et quand est-ce qu'on va parler? Et quand est-ce qu'on va parler de ça? Pourtant, c'est encore une fois la base, la règle, la plateforme de notre cheminement vers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Je termine par cette histoire. Muhammad ibn Siwa. Sahel ibn Abdullah al-Tastouri. C'est vrai, quelqu'un qui ne connaît pas les épouses du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Qui ne connaît pas les enfants de Nabi al-Sallam, ne peut pas connaître ces gens. Ne peut pas connaître ces gens-là. Et surtout, avec cette attitude négative, excusez-moi, Allah, c'est pas. Je le dis, je suis mal à l'aise quand je dis ces choses-là. Avec cette attitude négative qu'on a vis-à-vis du savoir et de la science. Encore une fois, normalement, quand on entend des choses comme ça, la première des choses à faire après, c'est d'essayer de se renseigner. C'est essayer d'enrichir notre connaissance et notre savoir et notre science. C'est pour cela qu'on vous a mis à votre disposition ces enregistrements. Mohamed ibn Siwa, je vais l'oublier. Sahel ibn Abdullah, je vais l'oublier. Et dans une semaine, quand notre ami Mohamed va poster cette vidéo sur YouTube, je peux revenir par cette Jumu'ah. Je peux entendre ce que dit Achir. Je peux me rappeler ce que m'a dit. Il nous a parlé de Sahel, il nous a parlé de Mohamed ibn Siwa, il nous a parlé d'un tel et un tel. Mais c'est qui ces gens-là? Et je vais essayer d'enrichir encore une fois mon savoir et ma science. Mohamed ibn Siwa, son neveu, c'est Sahel ibn Abdullah al-Tassouri, qui était très très jeune, qui était très très petit. À chaque fois qu'il vient voir sa sœur, il parle avec lui. Et une fois, il lui a dit, écoute mon fils, quand tu vas dormir, dis-moi trois choses dans ta tête. C'est pas que tu vas les prononcer. Pour le moment, tu ne prononces rien du tout. Dans ta tête, trois choses. Allahu ma'i, Allahu nadirun ilay, Allahu shahid. Allah est avec moi. L'omniprésence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah me regarde. Et Allah est mon témoin. Trois choses, tu dois les mettre dans ta tête. Après un certain temps, il est venu pour lui dire, écoute, essaye de lui dire trois fois, par ta langue, de lui prononcer. Sept fois, 10 fois, 100 fois. Sahel ibn Abdullah al-Tassouri s'est plié à cette pratique. Il disait, « Hatta wajadtu halawata dhalika fi qalbi. » J'ai senti une douceur quand je prononçais ces mots-là dans mon cœur, billahi azza wa jalla. Et c'est ainsi ce que doit faire un dhikr, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les cœurs. Normalement, quand je lis le Coran al-Karim, quand je prie, quand je fais un dhikr, je dois sentir cette douceur, cette halawa, comme dit al-Nabi al-Sallam, halawa al-Iman, la douceur de la foi, bidna tabaraka wa ta'ala. Et ensuite, il est venu me dire, écoute, tu dois
faire ça jusqu'à ta mort. Jusqu'à ce que tu vas quitter le monde. Trois choses. Allah est avec moi. Allah me regarde. Allah est mon témoin. Une fois, il est venu lui dire, écoute mon fils, c'est quoi que je t'ai recommandé? Il m'a dit, tu m'as recommandé de dire plus de 100 fois, chaque nuit, chaque jour, que Allah est avec moi, que Allah me regarde, que Allah me voit, que Allah est mon témoin. Lui dit, mon fils, quelqu'un dont Allah subhanahu wa ta'ala le voit, quelqu'un dont Allah subhanahu wa ta'ala est avec lui, quelqu'un dont Allah subhanahu wa ta'ala est son témoin, est-ce qu'il peut oser désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il peut oser commettre un péché? Est-ce qu'il peut oser faire quelque chose qui ne plaît pas à Allah tabaraka wa ta'ala? Absolument pas. Allah est avec moi. Quand je dis que Allah est avec moi, ça, seulement, je n'ai pas besoin du regard de l'autre. Je n'ai pas besoin de la présence de mes parents. Je n'ai pas besoin de la présence de mes voisins. Je n'ai pas besoin de la présence de vous, fidèles, parce que je suis votre imam. Je n'ai pas besoin. J'ai besoin uniquement de me dire, Allah est avec moi. Et quand Allah est avec moi, donc je dois m'abstenir. Ici, l'instinct, ici, c'est plus fort que moi, je vais le faire, mais de suite, je vais me repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui se dit, Allah me voit, Allah est avec moi, est-ce qu'il peut oser franchir le pas du péché? Absolument pas. Quelqu'un dont Allah subhanahu wa ta'ala est son témoin. C'est pour ça qu'on dit, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a besoin qu'on soit témoin les uns des autres le jour du jugement? Pas du tout. Est-ce que la raison générale a besoin que la terre sera témoin en notre faveur ou contre nous le jour du jugement? Pas du tout. Est-ce qu'on a besoin que nos organes témoignent en notre faveur ou en notre défaveur le jour du jugement? Absolument pas. Mais Allah est notre témoin. Vous connaissez tous l'histoire de Ibrahim ibn Adham, l'un des grands cheminots vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait une personne qui venait le voir pour lui dire, « Ya Imam, j'aimerais bien faire un péché. » Mais dis-moi, comment je dois faire un péché sans quoi? Puis j'aimerais bien, mais je ne peux pas l'expliquer ainsi de suite. Ibrahim ibn Adham lui disait, écoute, je peux commettre de péché, mais à condition. C'est quoi la condition? Il lui dit, la première des conditions, c'est que si tu dois commettre un péché, va dans un endroit où Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra pas te voir. Pardon? Va dans un endroit où Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra pas te voir. Tu te moques de moi? Est-ce qu'il y a un endroit où Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra pas le voir? Il lui a dit, non, il n'y a pas. Alors, tu vas commettre un péché alors que Allah te regarde? Alors que Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi? Il lui a dit, écoute, si tu veux commettre un péché, ne mange pas des richesses de Allah subhanahu wa ta'ala. Pardon? Tu te moques de moi? Et on mange de quoi? C'est qui subvient à mes besoins? C'est mon père? C'est mon frère? C'est ma femme qui travaille? Non, c'est absolument pas. Le pourvoyeur des richesses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand bien même je peux avoir la moitié de Marseille comme propriété. Non, c'est Allah le pourvoyeur des richesses. Il lui dit alors, Allah, il te regarde. Allah te donne de ses richesses. Allah est avec toi de partout et tu veux commettre le péché. Imaginez qu'on va inculquer ces valeurs à nos enfants. Imaginez, dès le jeune âge, on va inculquer ces principes à nos enfants. Comment ils seront, inchallah subhanahu wa ta'ala, ils seront sur le droit chemin d'Allah Azza wa Jal. Et l'éducation, leur éducation, elle sera facilitée, inchallah tabaraka wa ta'ala. Aqulu hadha ma tasma'u wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfirullah wa atubu ilayhi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-karim. على الله نتوكل ونستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد معاشر المؤمنين الكرام. Je voulais parler du deuxième principe de l'éducation, qui est celle de l'éducation spirituelle, mais elle a besoin d'être bien détaillée, ça va nous prendre énormément de temps, donc je vais la laisser inchallah subhanahu wa ta'ala la semaine prochaine. Bien sûr, si vous serez avec nous et parmi nous, et si Allah subhanahu wa ta'ala le prêtera vie, ya Rabbi al-Alamin. Mais avant, juste une petite remarque, chers amis, très importante, c'est que, je vous ai dit, c'est tellement une responsabilité, c'est tellement un défaut qu'on doit l'assumer. Et celui qui ne va pas assumer l'éducation de ses enfants, c'est comme s'il va faire de ses enfants des orphelins de son vivant. Aujourd'hui, il y a énormément d'enfants qu'on peut considérer comme orphelins du vivant de leurs parents. D'ailleurs, c'est un poète arabe qui disait,
ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه دليلا. L'orphelin, c'est pas celui qui a perdu ses parents ou l'un de ses parents. Il est resté seul dans cette vie. إن اليتيم من تلقى له أما قد تخلت وأبا مشغولة. L'orphelin, le vrai orphelin, c'est dans la mère. Elle est occupée à faire autre chose et que le père a démissionné, ça fait longtemps. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Dites-moi de grâce, les problèmes aujourd'hui qu'il y a dans les cités, c'est dû à quoi? C'est dû à quoi? C'est dû aux mamans, aux mères, qui sont de 8h30, parce qu'on doit ramener nos enfants à l'école à 8h30, jusqu'à 16h30, jusqu'à 17h, qui sont à gauche, à droite, dans les marchés, au marché aux puces, à l'Ouai, à Continent, à ci, à cela, et ainsi de suite. Et les parents, ils sont où? Ils ne vont pas prendre le relais. Alors que normalement, l'éducation, c'est l'affaire de tous. Et de la maman, et du papa. Et de la mère, et du père, chers Panotala. Au lieu que le père prend le relais, non, lui prend le relais où? À la chicha. Au marché aux puces, à l'Ouai, dans les bars, dans les cafés. Mais jamais, au grand jamais, dans le bon sens de l'État Panotala. Aujourd'hui, subhanallah, même. Moi, j'ai une petite expérience dans les mosquées quand même. Et surtout les 10 ans dernières que j'ai passé au marché aux puces. Imaginez, j'ai une école, il y a parfois des parents que tu ne connais même pas, que tu n'as jamais vu. Et quelques parents qui osent te dire, par exemple, ils t'appellent pour te dire, « Chir, je suis à Lidl, est-ce que tu ne peux pas me ramener mon fils? Je suis en train de faire les courses. Il y a une chaîne énorme à la caisse. » Machallah. Je ne parle pas de l'école normale. Il y a même des gens qui payent pour que leurs enfants soient dans le sport, que ce soit dans le foot, que ce soit dans je ne sais pas quoi, et le samedi, le jour du match, le dimanche, le jour du match, il n'y a personne. Il n'y a personne. L'année dernière, je me suis retrouvé avec 9 ou 10 enfants, parce que mon fils joue au ballon, avec une seule voiture. Je dirais que je devrais acheter un bus, pas une voiture pour ramener tout le monde au match, au stade, subhanallah. Mais c'est quoi ça? Aujourd'hui, on a des enfants qui sont orphelins du vivant de leurs parents. Et s'il y a aujourd'hui ces problèmes dans les cités, c'est dû à quoi? Justement, c'est dû à cette démission des parents. C'est dû au fait que les parents n'assument pas l'éducation de leurs enfants, normalement. Si on veut remettre les choses à leur place, on doit commencer par l'éducation de nos enfants. Personne ne s'attaquera à l'islam. Personne ne s'attaquera aujourd'hui à nous. Personne ne fera polémique autour de l'islam, autour des musulmans. Aujourd'hui, quand on vole, c'est un musulman qui a volé. Aujourd'hui, quand il y a un meurtre, c'est les musulmans. Aujourd'hui, quand il y a de la délinquance, ce sont les musulmans. Aujourd'hui, quand il y a un bus qui est assez, ce sont les musulmans, ainsi de suite. Normalement, on doit cesser tout cela. Par quoi on doit le cesser? Par l'éducation des enfants. اللهم اصلح الامهات اللهم اهد الاباء اللهم اهد الامهات اللهم اصلح اولادنا وبناتنا اللهم اصلح ابناءنا وبناتنا اللهم اصلح ابناءنا وبناتنا اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين اجعلهم اللهم من المتفوقين اجعلهم اللهم من المتفوقين اللهم اجعلهم من المتفوقين اللهم احفظهم من كل انواع الشرور والاثام اللهم احفظهم من كل انواع الشرور والاثام اللهم احفظهم من كل انواع الشرور والاثام يا رب العالمين اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللهم ارفع عنا هذا البلاء اللهم ادفع عنا هذا الوباء اللهم ادفع عنا هذا الوباء اللهم ردنا الاسلام ردا جميلا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن كان له فضل علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات لكل من طلب منا الدعاء ولكل من طلب منا الدعاء وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين اخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وعلى ربك اجمعين واقم الصلاه.